Sur une capsule exceptionnelle avec la non moins exceptionnelle Tegla Laurup. Enchantée. Thank you very much. It's a very big honor for me to meet you. Me too. C'est voilà. Tegla Laurup est une grande marathonienne qui a gagné tous les championnats, tous les records du monde. Elle a été la première femme à gagner en courant à pieds nus. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, avec une simplicité. Et alors là, je peux vous dire, je vais essayer de le faire, tu le traduiras après, transparaître à l'écran, une énergie de cœur, comme c'est incroyable. Et en plus, Tegla est ambassadrice de l'association Peace and Sport du Prince Albert II de Monaco. Nous sommes ici à l'hôtel Hermitage, vous voyez ceci. Et c'est hier, il y avait donc les Laureus, donc les lauréats de sport. Voilà. Donc tu peux dire que je suis très content de pouvoir annoncer aujourd'hui l'immense vibration et spiritualité qu'elle dégage déjà quand on la rencontre. He was very touched by the what he could get from your energy. I mean, you are a very spiritual and generous person, and we can feel it right away when we meet you up. He was very honored to. It's a great honor because when somebody say like that, it's only not to say, but it comes from the heart. Oui, ça vient du cœur. Ça vient du cœur, mais vraiment, c'est, faut dire, on est fouf. I'm really humble to meet such a good people like yourself. We always learn something from one another. Oui, on apprend toujours quelque chose de des gens avec qui on a. Un feeling et c'est vrai qu'elle arrive à réunir des gens qui ont la même énergie. Force énergétique et spiritualité la loi d'attraction. Oui, la loi d'attraction. Attraction law. And another thing is that we as a sports people and also let's say business people you have such a high personality but sometimes we lack what is in our head, our mind is obstacle, but somebody like him, God gave him the ability to unlock. Oui. What gives us problems not to succeed. Oui, voilà. Avec un personnage comme vous, elle a compris que vous pouviez débloquer des choses très fortes chez les sportifs et chez les êtres humains. Et on a vraiment besoin de ça. Que ce soit dans le sport ou dans la vie courante. Dans le business. Elle le sent au niveau des images ou des vibrations qui expliquent ça. Comment elle comprend? Comment elle le sent? How did you feel this, he got this ability to unblock all what you have bad in your mind? Or how could you feel that? Because you just met him. You can only feel somebody from, because there is sunshine in their face. And they always come from their heart. Oui, parce que ça vient de votre énergie solaire et de votre de sa capacité à ressentir ce que vous avez dans le cœur et donc il y a une énergie qui passe entre vous et elle. J'ai travaillé pendant 4 ans avec les chamans d'Hawaï. He was working with Hawaii. The Hawaii shaman. Dans le Aloha, l'esprit Aloha, le cœur. The heart. Congratulations. Okay. What can I say? Okay, alors une question à poser, Tegla, depuis quand tu as commencé à courir? Since when did you start to run? I ran, Since she was born. I think I ran when I was still in the stomach. In the womb. Elle court depuis qu'elle est dans le ventre de sa mère. C'est génial. But it's for everybody. Now, okay, I start running when I was in school. À l'école. À l'école. In the, you know very well, in Kenya we don't have
means of transportation, like here. Mm-hmm. And I used to run 10 kilometers. Each day is 20 kilometers. Mm-hmm. But in the school, we have so many activities. So mm-hmm. all together, it's like running marathon the whole day. Mm-hmm. But I loved what I was doing. Mm-hmm. Oui, elle a commencé à courir pour aller à l'école, 20 km. 20 km. 10 pour rentrer. 10 pour aller, 10 pour rentrer. Back and forth. Ouais. 20. 20, oui, 20 km aller-retour. Ouais. Wow. Et sur place, à l'école, il y avait beaucoup d'activités sportives. Donc à 6 ans, elle courait 20 km par jour. Oui, voilà. 6 years old and you yeah. were running already yeah, 20 kilometers per day. Because there was no alternative, there was no school. Pas d'alternative. Pas d'alternative. Ouais, mm-hmm. Ça, c'est important. C'était mm-hmm. comme ça, on ne peut pas faire autrement. Quel moment tu sens que tu vas avoir une carrière sportive? At what time you can feel you can make this running your job? When I was only 9 years. À 9 ans. Wow. Le subconscient enregistre yeah. ça. Wow. But why I was able to think that I was better is that I was competing with the boys and my brother. Elle faisait la compétition avec les garçons. Mm. Elle sentait yeah, déjà. Déjà. But I was very good in long distance, so for me I could leave them behind. For a small girl to leave their brothers behind, and then I say, oh. Elle était très bonne dans la distance et elle gagnait déjà. Elle est laissée derrière. Au garçon, voilà, elle gagnait au garçon. And then I was lucky because our teachers they could see the talent. Oui. And then I was one of the talent because I was running, playing soccer and playing netball. So all the things I was very active in all. Les professeurs voyaient déjà son talent puisqu'elle excellait dans plusieurs sports. Yeah. D'accord. But he told me, no, you are very good in running. Mais so, ils ont dit, ah, il y a quand même un talent particulier, c'est de courir. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, et quand tu vois que tu vas faire du sport, que c'est ta voie, est-ce que tu penses être la numéro 1 déjà? Number 1. When you start all this energy in yourself, you think you could be the first one already, or what is your ambition? Well, I wanted to be the best. Okay. Yeah, oui, je voulais être la meilleure. Yeah. Tout à fait. Alors, j'en profite puisque toute cette semaine à Monaco, j'ai eu la chance de rencontrer des grands champions, des champions du monde, que ce soit Pierre Frolla, champion du monde d'apnée, qui nous a dit dans l'interview que vous verrez, je ne sais pas si on passera avant ou après celui-là, il cherchait à être le numéro 1, à être dans l'excellence. Également donc Emmanuel Coindre, qui est recordman du monde de traversée à l'Atlantique, de l'Atlantique, du Pacifique, qui est un rameur qui part 120 jours, a dit « je veux être le numéro 1, je veux être le premier ». Et pareil, number 1, c'était Joe Kals, que nous avons vu hier, pareil, il veut être le numéro 1 dans... C'est toujours le dépassement. Et ce que je trouve magnifique, c'est que vous verrez ces interviews, c'est des personnes qui ont du cœur. Mm-hmm. On peut être number one et avoir du cœur. Mm-hmm. Parce que number one, ce n'est pas écraser les autres, c'est se dépasser soi-même. Mm-hmm. Je peux dire que le numéro un. We met some sportsmen who were still very successful in their career, their sport. And the ideas I've got all the time is to be the number one. They want to be to overpass themselves, overpass their fears and everything, and they want to be number one. They want to go beyond their limits, and this is their motivation in their life. In a yes, it's very important. You can feel it from your heart. Quand on court le marathon, on a un gros cœur. When you run the marathon, you have a big heart. You feel. You need to have a big heart. Yeah. For me, I did not want to put myself pressure that I want to be number one. I want to over, but I want to reach my I want to reach my limit. Oui, son motivation principale, c'est d'atteindre ses limites. C'est les quatre voilà. En profondeur, en traversée, où on ne dort pas,
ou Joe Calz avec ses problèmes physiques, puisqu'il est paraplégique. À chaque fois, c'est dépassé cette ligne. Yes, connaissance most important de soi. Is this. Tout à fait, yes, c'est yes, absolument yes, incroyable yes, ce mindset. Yeah, because when you say I want to be the best, I want and something tomorrow happen here, you lose completely. But in spiritually, say I want to bring my limit. I perfectly understand. Spirituellement, c'est important de se dire qu'on peut atteindre sa limite et l'expérimenter plutôt que de se dire je veux être juste le numéro un. Il n'y a pas que ça. Il y a tout à fait. L'essentiel, c'est quand même ça se passe ici, au niveau du cœur, et on a besoin d'expérimenter cela. You need to experiment this feeling. Alors, quand tu cours, Tegla, est-ce que tu es relié à Dieu, à l'univers? When you run, you feel the spirit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime? I am connected to the universe. Yes, I think I'm like good. I am a Christian and I always feel like it's not my energy, but I'm happy because I have somebody who gives me a lot of energy to continue and to see things in a different way. Yeah. Ah, to see things in a different way. Oui, en fait, elle est croyante et Dieu la porte à travers son sport et la transforme. Elle court pour Dieu et Dieu court à travers elle. Et Dieu court à travers elle et ensemble, ils atteignent quelque chose ensemble. Ouais, c'est une expérience. Mais pour le monde. Tout à fait, pour le monde. C'est ce que j'ai ressenti quand on s'est croisé là tout à l'heure. Oui, c'est quelque chose de très spécial. And another thing that makes you success is that you have to be ready anytime to accept all the anything that can happen. Apprendre à gagner. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela was saying I never lose, I always experiment something. Win or experiment. Yes. And, When you accept and appreciate another companion to succeed and say, okay, today, congratulations, you succeed and today I didn't make it and you are happy. You don't like Elle n'est pas pour la compétition pure et dure, c'est-à-dire il y a toujours un partage à féliciter son concurrent quand il gagne, même si elle perd. Et donc il y a un esprit du sport qui est là et qui porte tout le monde vers le partage. Ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être number one, mais pas contre les autres, pour être le meilleur de soi, pour être excellent. Et c'est ça qui fait qu'on peut rester dans le cœur, parce que c'est number one pour donner le meilleur de soi. Yeah, you have to et be pas number autres. One to give to the other one. And you can experiment when you fail and when you win, and you always with sharing. With sharing love between you one another. You will never go wrong. This is something that it's maybe like a team. It's a team. It's team spirit. I am really lucky because I have this combination ever since. There was no time I get very broke down. No. Elle n'a jamais été dans la tristesse de se dire que elle avait échoué, elle avait été moins bonne que quelqu'un d'autre. Elle est toujours dans le partage. C'est un sourire perpétuel. You are like tout le temps en train de sourire. Very positive person you are. This is my problem because no problem. I tell you when I was doing sports and sometimes I come number three, I still laugh and then my friends say, oh, why are you laughing? I say, should I have to cry? No, I didn't succeed today and I go and sit down. I say, what happened with me? Elle arrive à positiver même dans la défaite. Si elle arrive troisième au lieu de deuxième ou première, elle se reprend tout de suite et elle travaille sur elle. Elle essaie toujours de positiver. Et elle le fait d'ailleurs. Super. Alors, Tegla, raconte-nous cette histoire quand tu as couru sans les chaussures, without shoes. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres sportifs, le président de la fédération? With the president of the federation and all the other sport people, the organizers of the event, how did they react?
without, when they saw you without shoes running. At first they knew that I will not make it because when you run with no shoes, she comes from a poor community, mm-hmm. So let her try. Okay. Ils savaient qu'elle allait pas arriver au bout puisqu'elle était sans chaussures. And I had determination to run to do well so that I can get selected. And I remember one time I ran 6 kilometers. The first 2 kilometers I had a needle from David. Elle a eu une épine là. Ah, une épine. And then I didn't stop. I finished with a stick. And then I came number one up to 200 meters to finish. So my leg was swollen, I couldn't. So I came second. Mm. So with this... Elle a couru avec cette épine tout le long de la course, elle est arrivée deuxième. This is how long it is, this is one, but it's a little long time ago. C'était le marathon de New York. Non, c'était... Yeah. C'était quelle course? Which run was it? It was in Kenya before I went to Japan. C'était au Kenya avant qu'elle aille au Japon. D'accord, okay. So I went to Japan when my leg was still swollen. Oui, elle est allée au Japon et elle avait toujours mal aux pieds. Sorry, I didn't get you. In fact, why did you decide to run without shoes? No, I had no shoes. Ah, you had no shoes. Yeah, I had for university. I had college. I had only this one. Oh. And you cannot run with. With this type of shoes, leather, no. Oh, okay. Yeah, so. And so people were reacting positively after when they saw you? Yeah. They gave you some shoes after, or what happened? My principal bought me a running shoes. Yeah. Okay. But it was not a real running shoes, but better than nothing. D'accord, on lui a acheté des chaussures au départ, mais qui n'étaient pas très bonnes. Mais yeah, elle pouvait commencer en fait. But that doesn't, it didn't make me to lose or to admire other athletes that they had shoes. So I say, no, I continue until I will have mine. So, okay. Yes, you. Elle savait qu'elle allait avoir des chaussures après. Elle savait qu'elle allait avoir des chaussures. Mais c'est extraordinaire, les amis, pour dire qu'on dépasse ses limites, incroyable, et de courir un marathon, 42 km, sans chaussures. Donc, avec les ampoules que ça fait, et là, avec une épine qu'elle s'est prise donc, en courant, elle a terminé quand même seconde. Elle a senti la fleur. Moi, j'étais admiratif de cet exploit, parce que c'est vraiment dépasser ses limites. Mm-hmm. Tout en restant toujours souriante. Yeah, it's an incredible experience. Après marathon New York, deux fois marathon New York. Yeah, twice. Yeah. Twice. Yeah, yes. But I didn't run without shoes. I ran with shoes in New York. Chaussures rouges. Ouais. Yeah, I ran the first marathon in New York and they were saying there will be no woman from Africa to win major events. Mm-hmm. For me, I say, I have two legs like the women from the Western world. We are all women and we have everything. I will do it. Il y avait pas encore de femmes du Kenya qui avaient gagné la course. D'Afrique. D'Afrique. From Kenya or from Africa? Africa? From Africa. Yeah. It was the first time. Oh. And then I made it. I became the first African woman. She was the first winner. C'était la première. Marathon New York, marathon de Berlin, marathon de Paris. Marathon de Berlin, Rome, c'est ça. Lausanne. Cologne. Many Japan. Et puis surtout tous ces records du monde qui tiennent encore 20 kilomètres. Yeah, all these worldwide records that you have now and you still hold it. I still have. Yes. I still have 3. Yeah, 3. I have 20 kilometers, 25, and 30 kilometers. Super. Alors maintenant, tu continues à courir. Now you still running? I still professionally or no. I still run for myself and as a role model for the kids, mm-hmm. because I am training them
the young athlete and the refugees mm-hmm. athlete. Mm-hmm. So, and what I'm doing today mm-hmm. is to work for our foundation. So it's a lot of work that I'm giving back. Oui, yeah. elle redonne ce qu'elle a reçu en fait dans sa carrière aux enfants, aux réfugiés. En fait, Tegla, elle percurseur de cette nouvelle équipe qui existe, qui a été créée aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. C'est l'équipe des réfugiés. Elle, c'est le chef de mission, c'est elle qui a développé ce projet, d'accord. en fait. Donc Tegla est chef de mission de l'équipe des réfugiés. Voilà. Qui sont pas, qui sont plus dans leur pays, voilà. Mm-hmm. Et qui, donc c'est sous une bannière olympique. Mm-hmm. Voilà. Donc tu es la responsable. Mm-hmm. Parfait, super. C'est encore mm-hmm. toujours avec le cœur. Mm-hmm. The time with your heart. Voilà. Alors, parlez-nous de l'association, donc de cette organisation, pardon, plutôt ONG, mm-hmm. donc Peace and Sport. So, donc, it's through ONG Peace and Sport, what are you doing for your foundation? Well, as we know very well that I am ambassador of Peace and Sport, I was asked by Prince Salva. Mm-hmm. Because he knows I have my own foundation, mm-hmm. but we need to support one another. Oui, elle a besoin du vecteur de Peace and Sport, ONG internationale, association internationale, pour porter aussi sa fondation. Tout à fait. Yeah, this happened when Prince Albert came to Kenya, to my mm-hmm. community. Voilà. Le prince Albert est venu au Kenya visiter en yeah. fait ce qu'elle faisait. See all the programs, mm-hmm. and he told me, Tegla, you need also to be ambassador in for Peace and Sport. Mm-hmm. Oui, il lui a proposé d'être ambassadrice pour ça, son association Peace and Sport. Yes. So what Peace and Sport do is doing for all this association? They have Peace and Sport. They have a lot of programs in the conflict areas. Mm-hmm. So to bring youths together to play, to understand one another. Okay. I can see one program for Peace and Sport in Rwanda, Congo, Burundi. Mm-hmm. So they bring this athlete to play different events. Okay. The reason why is that to bring that unity, that mm-hmm. they don't see this one is my enemy or he, and then that's mm-hmm. how they use sports mm-hmm. to unite people. Oui, les ambassadeurs de Peace and Sport, l'équipe de Peace and Sport, apprennent donc aux gens des pays du Congo, du Burundi, comment pouvoir être éduqués d'une manière à respecter autrui et à ressentir les valeurs du sport qui amènent finalement de bonnes choses entre les uns et les autres. Donc à travers le sport, on s'améliore, on s'éduque, voilà, on libère la colère, etc. And also what Joel Poussou is the president of mm-hmm. Peace and Sports, he also traveled to meet also head of states to talk about the awareness of using sports as a unifying factor. Mm-hmm. But again, we have to talk about education. It's mm-hmm. not only having sports and without giving access to education. Mm. Oui, le président Joël Bouzou, le président de Peace and Sport, va voir les gouvernements dans certains pays, donc les pays africains, etc., pour leur expliquer en quoi il est important de respecter certaines valeurs, notamment l'éducation à travers le sport, qui est très importante. D'accord. Et pour sûr, ils voient ça parce que. Myself from Kenya, I've been working in the conflict area. That's uniting the leaders and the communities, and therefore, mm-hmm. with the respect of making people to understand that nowadays there is so much conflict in the world. Mm-hmm. But we use sports because sports just it's like uniting people. Mm-hmm. And then you can explain the problem why. Oui, voilà. Le sport unit naturellement. Les gens entre eux et la communication est plus fluide. Et c'est vrai que c'est émouvant d'avoir fait donc un comité pour les réfugiés, pour qu'ils puissent effectivement courir en dehors de leur pays. Okay, so we will be interested to
attend it's this important next time. Eternal love. Yes. Yeah. When it is the next event, Peace and Sport? I think Peace and Sport will be this year, November. Or in November? Yeah. Mm. Yeah. But okay. There are many other activities happening. Okay. Mm-hmm. Alors, les Jeux Olympiques l'année prochaine à Tokyo. Voilà. Qu'est-ce que tu as comme vœu pour ces Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo? What is your wish for these Olympic Games of Tokyo? For me, as a person who is, as I can say, they call me today, the matter of refugees, I would love to see that our athletes compete for the medals and not for the representation like they did in Rio. Mm-hmm. So they have to compete with the best of the world. Oui, elle espère que les athlètes auront un esprit, enfin, qu'ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. D'accord. C'est ça l'important. Ok, parfait. Alors, merci Tegla. Voilà, je te remercie. Je garde la main serrée parce que l'énergie elle passe là. Alors hier, c'était Djokovic, the number one, Olaureus. Alors moi, je fais un souhait. J'aimerais pouvoir interviewer Djokovic. Est-ce que tu pourras m'aider à appeler Nena Djokovic? Hein? We would like one day to interview Djokovic if you can help one quand day. Quand il est à Monaco. He is here in Monaco. Mm. But, because I have contact for Elizabeth and Raphael. If I would. She can arrange it. I can tell him and ask. Mm-hmm. It's a good person. Yes. It's doing well, you see. Yeah, good person, yes. Mm-hmm. Fantastic athlete. Yes, but athlete and personality. Yes, yes. That makes you a better person. Mm-hmm. Yeah. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mm-hmm. Et puis, voilà, à très bientôt. Au plaisir. Merci. Merci, merci. Relaxing, etc. Non. Ok, alors. Tu peux traduire en même temps. Ok, je n'ai pas énergie là. Yes. I am in the gorge. Throat. On your throat. Voilà, là je suis ici. My feet. Donc bien ancré. Stack to the ground. Sentez l'énergie là. Ok. Là, maintenant, je vais faire ici. Donc ici, là, comme ça. Là. Hot, hein? Température. Yes. Alors, son esprit est relaxé. Voilà, température. Ok, relaxé. Ça, voilà, avec l'énergie. Bon, énergie, du monde. Bon, énergie, hein? Bon, yes. Yes, comme s'il y avait un tube. Ok, how do you feel? Good.